Coiffé. Quoi? Tu as voulu m'appeler là? J'ai continué tout droit. Bouh! Alors je suis sur un urbex. Putain d'urbex mon frère. Là oui, là c'est du lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est un hôtel abandonné. Dans l'ouest de l'île de La Réunion. On a déjà fait l'objet d'un reportage avec notre regretté Jean-Pierre Fernaud. Il a eu l'occasion d'en parler de cet hôtel ici abandonné. Donc moi je suis dessus, je fais la visite et je vous balance les vidéos par la suite. Kaboum! Énormes affaires, frère. On me filme un peu à l'arrache avec la petite caméra là, vous êtes. Après, on me filme avec l'autre caméra. Mais c'est énorme le truc, putain. Ça, c'est de l'urbex. Ouh, là, oui, on en a trouvé, nous, là. Plein de graphes partout. Coiffé. Quoi? Tu as voulu m'appeler là? J'ai continué tout droit. Je suis en train de venir. Ok, bon, correct. Je vais pas trop loin. T'es en train de tout essayer sur le Tokyo Walkie ou quoi? Quoi? Je dis t'es en train de tout essayer sur le Tokyo Walkie parce que tu as appuyé sur le bouton qui fait sonner le Tokyo Walkie. Ouais, j'appuie dessus. Mais pareil de dangereux, noir. Cette nénène. Bon allez, je t'attends où je suis là. Bon alors les amis, là c'était... On m'avait mis sur... Ma page, je me tiens à l'hôtel. Effectivement, je suis à l'hôtel, c'est vrai. Sauf que l'hôtel auquel je suis, mais il est plus trop petit. C'est un truc abandonné. Je ne dirais pas c'est où. Et ça doit être connu hein, quand même. C'est connu, donc... Bref, on ne dévoile pas le lieu quand même, malgré tout. On garde les règles de l'urbex. Voilà, déjà. Et on profite, on regarde. C'est un putain de truc, mais c'est énorme, tu vois, c'est... J'ai même pas fait la moitié du truc, quoi. Donc je continue, je filme. Allez, à plus. Ça va devant, viens. Avant, arrière. Il y a tellement de choses à voir. Au final, il y aura deux films à voir, celui-là sur cette caméra ici, la petite là,
et celle sur ma caméra principale. Donc il y aura de quoi voir. À l'aise, mon frère. Ta quéquette n'est pas une mitraillette. Exactement. C'est pas fait pour tirer partout, en fait. Je sais pas, c'est une petite dame qui est passée là et qui a été un petit peu en colère contre des hommes, non? Plein de gens qui passent, tu vois, c'est pas un truc où t'es tout seul. T'as plein de passages de monde, de tout ça là, de monde. Il voit aussi un créole déjà. Ah, c'est énorme le sapin là, c'est... Laissez-moi prendre l'ascenseur. Voilà, on voit pas, il fait un peu noir, un peu sombre. Mais c'est aussi joli là en face de moi, là. Et il y a encore un étage, frère. On va voir avec ma patronne qu'est-ce qu'on fait après. Alors c'est Jack, ce matin on a été du côté ouest de l'île pour un urbex. J'avais vu ça quelque part avec un petit pote et j'ai dit il faut que j'y aille, c'est mes congés, il faut que je fasse un urbex dans mes congés. Ben, putain, là je suis sur un truc, c'est du lourd, frère. Allez, c'est du lourd. Excellent. Ça c'est beau ça. Allez. Je sais pas si vous voyez bien celui-là, mais punaise. L'énorme frère, depuis que t'es là, il arrête pas. Thank you.
presque une plage privatisée, gars. C'est énorme. C'est presque une plage privatisée, hein. Franchement, tu viens là, t'es tranquille, personne ne t'emmène pas, t'es là, frère. Oh, il fait une ronde dans la, tu vois pas rien. Et pour une fois, on n'a pas oublié Tokuwaki avec madame. On n'a tellement pas oublié qu'on a eu d'autres gens sur nos fréquences. C'était marrant aussi. Là. Et c'est cool. Franchement, on est équipé, on fait des trucs là. C'est super. Et merci à Natacha qui me suit à chaque fois. Hein. C'est sympa de sa part de me suivre, me soutenir et m'accompagner dans tous ces délires là. En fait. J'espère qu'elle prend du petit son pied aussi, qu'elle profite. Hein. Comme moi, c'est cool. Et voilà. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel Urbex, pour une nouvelle vidéo, pour quoi que ce soit, restez connectés sur la chaîne ZionJ Photographie, YouTube, Facebook et YouTube, abonnez-vous sur YouTube s'il vous plaît. Faites un petit clic sur s'abonner sur YouTube pour que je développe un peu plus ma page YouTube. Allez, cool, merci à tout le monde, à plus.